Bonjour, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce type d'album, donc avec des anneaux. Donc, on va vraiment le réaliser de A à Z. Alors, ici, c'est déjà un que j'ai réalisé. Je vous montrerai à la fin donc, de la vidéo un petit peu à quoi il ressemble. Et on va se retrouver tout de suite avec l'explication de ce qu'on va faire. Donc, je vais d'abord commencer par tout le matériel qu'il faut. Donc, au niveau du matériel, vous avez besoin, donc, bien évidemment, de carton. Alors, moi, je fais de la récup. J'ai des mangeurs de Kellogg's, donc j'utilise vraiment tout ce qui est boîte à Kellogg's, comme ceci, donc on coupera après les papiers. Un album, donc un album avec des anneaux, donc il me faut les anneaux. Alors ici ça fait, c'est un élément donc de récup, c'est une phare qui était un petit peu abîmée. Donc j'ai récupéré les anneaux, donc comme vous voyez, moi j'ai gardé, voilà, j'ai pas su les bouger comme il faut. Donc j'ai cassé, bah, j'ai coupé l'élément et puis après bah, j'ai percé avec la perceuse quoi, pour que ça refasse les deux petits trous. Pour pouvoir tenir ceci, vous aurez besoin d'attaches parisiennes. Et alors, pour faire l'album, le décorer, je vais utiliser trois blocs différents. Donc, deux blocs donc de chez Action. Donc, le basique, qui est un peu dans les tons rose, jaune, bleu. Le bleu, je vais voir un petit peu ce qui va se marier le mieux avec. Et puis, on a celui-ci. Donc, pareil, avec des tons un peu plus rosés, verts. Et puis alors, on a cette collection aussi, d'ailleurs, que j'ai utilisée pas mal pour pouvoir faire l'album que vous voyez ici. Donc, je vais la réutiliser parce qu'il me reste quand même pas mal. Vu que c'est pour le mois d'avril, le mois de mars et le mois d'avril, ça va bien aller vu que, justement, on a le pack qui est à ce moment-là. Donc, ceci. Et alors, je vais utiliser pour faire la déco ces deux éléments-ci. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ai recherchées au fur et à mesure, parce qu'évidemment je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être que je vais aller, aller chercher d'autres petits éléments comme ça, plic-ploc, par rapport à la déco que j'aimerais faire vis-à-vis de mes photos. Alors, vous avez besoin de deux cartons pour l'extérieur qui fait 16/23, donc c'est le dessus et le dessous, et d'un carton encore qui fait 5/23 pour faire le bord ici. Alors au niveau des papiers, vous avez besoin de papiers pour l'extérieur qui font 20/27. Donc moi j'ai pris deux fois le même parce que j'aime bien avoir des couvertures qui se ressemblent. Et puis pour faire la reliure, il vous faut encore un papier de 27/11. Pour l'intérieur, vous avez besoin de deux papiers. Alors pareil, moi je prends les mêmes parce que c'est pour faire mes deux couvertures. Donc de 13/22. Et un autre qui va me permettre de faire encore la reliure qui fait 22/11. Donc ça, c'est pour tout le matériel que vous avez besoin. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre juste le papier de devant et de derrière. Vous pouvez garder les deux cartons d'extérieur. Vous les mettez pour pouvoir venir le coller comme ceci. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais des petites marques pour pouvoir me dire, essayer de le centrer le plus possible. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Donc, sachant que j'ai pris un 23 et que j'ai fait un papier de 27, il me reste 4 cm. Donc, je prends 2 cm vers le dessous. Je fais ma petite ligne. Et 2 cm de l'autre côté. Et je fais ma ligne. Pareil pour les côtés. J'ai 4 de trop. Donc je fais 2 cm. Je fais ma ligne. 2 cm. Je fais ma ligne. Alors comme ça, je vais pouvoir venir placer mon carton juste comme ceci. Alors, je prends ma tacky glue qui évidemment n'était pas au bon endroit. Je vais coller le premier carton, si j'y arrive, sur mon papier. Comme ceci. Alors, j'étape bien la colle partout. Alors, comme je disais, si je ne suis pas bien alignée, c'est pas grave. Ça va quand même se mettre comme il faut après avec le papier. Je vais le laisser sécher comme ceci
sur le côté. Je vais faire pareil avec le deuxième papier, donc deux en dessous, deux de l'autre côté. Et deux ici, et l'autre côté, ça va aller se mettre comme il faut. Je colle, mais évidemment, j'ai pas fait. Je vais mettre dans l'autre sens, j'en ai plus beaucoup dans l'autre papier, dans l'autre bidon. Hop. Ouais. Je le place, je laisse sécher, je reprends celui-ci. Je prends mon outil qui me permet de faire mes bords. De faire mes pliures, donc je viens plier comme ceci, je vais déjà plier de tous les côtés. Voilà. Alors, moi j'ai quelque chose qui me permet de faire des angles droits, donc que j'avais acheté chez Craftelier. Ça me permet d'avoir des beaux petits angles pour que je coupe juste après. Évidemment, vous pouvez le faire sans ça. Vous avez encorné, vous avez les bords, ça fonctionne aussi. Je coupe le trop-plein de papier. Alors, avant de mettre ma colle, je viens d'abord insister pour que tout se mette comme il faut. Alors, l'astuce, c'est de plier les deux qui sont l'un en face de l'autre. Et puis, de venir plier les deux autres morceaux pour que les bords ici soient vraiment tout à fait bien faits. Comme ceci. Comme ceci. Quand tout est bien insisté, quand tout est bien collé, je viens mettre de la colle tout autour et je vais venir m'aider avec des petites pinces pour que le tout tienne le temps que la colle prenne et qu'elle adhère au papier. Donc hop. Je colle d'abord les côtés. Je vais le tenir avec les petites pinces. L'autre côté. Je vais faire ensuite exactement la même chose de l'autre pour l'autre morceau de papier. Laisser un petit peu sécher et puis je vous reprends juste après. Alors, une fois que j'ai fait mes deux éléments donc comme ceci, je prends ma reliure du milieu, donc mon carton, mes deux papiers parce qu'il va falloir commencer à faire un petit jeu de je vais placer mes anneaux en même temps que je vais devoir coller ce papier là et coller le papier de derrière, donc c'est un peu du micmac de jeu, mais c'est entre guillemets envisageable. Alors pour ça, je vais d'abord faire mon placement donc de mon carton. Donc pour ça, je vais venir me mettre à 2 cm du dessous, 2 cm du dessus, et sur les côtés je vais faire 3 et 3.
comme ça, il va venir se coller comme il faut, comme ceci. Alors, il faut que je fasse... Alors ici, je ne vais pas faire pareil parce que je n'ai pas besoin de prendre des mesures. Mais il faudra venir le mettre bien comme il faut, aligné à l'autre en dessus. Maintenant, on va faire l'emplacement pour faire les trous pour les attaches parisiennes. Alors pour ça, sachant que moi, mon anneau fait 13 cm de long, je vais devoir aller faire un trou à 5 cm. Et alors, je prends la moitié donc, de mon écartement qui est de 2,5, donc à 5 cm et 2,5 comme ça, je vais venir faire mon premier petit élément, enfin mon premier petit point, et puis pareil de l'autre côté, donc 5, 2,5 comme ceci. Pareil à ce niveau-ci, je m'aide de mes petits traits que j'ai déjà fait, donc 5, 2,5, hop. Et ici 5 et 2,5. J'ai fait mon rond, mon petit point. Alors ici c'est un peu plus compliqué parce que comme vous voyez, il y a un petit morceau. Donc vu que j'ai pris, je sais plus c'est combien de centimètres il y a ici. Attendez, je crois que c'est 22 et celui-là fait 23. Donc j'ai un demi au-dessus, un demi en dessous. Donc c'est 4,5. Hop, je regarde comme ceci, c'est 4,5 et 5,5 sur le côté, donc 5,5 et 4,5. Je fais mon petit point et 5,5, 4,5 du dessus. Et je fais mon... Alors, je prends mon cutter, je fais un petit trou sur chacun des points. Là, j'ai percé un peu trop. Hop. Là, il fallait pas que je fasse de trou parce que j'ai fait là. Faut pas faire de trou là, c'est pas grave. Sur celui-là, il ne faut pas faire de trou, ça ne doit pas passer. C'est moi qui rêve. Alors, ici, hop, je place mon sens-ci. Je passe mon attache. Je passe mon attache de l'autre côté. Hop, je fais pareil en passant ici. Hop. C'est un peu compliqué de vous montrer dans le sens où voilà, comme ceci. Donc ça, ce n'est pas normal, mais c'est pas grave, ça va venir se cacher de façon avec l'élément qui est au-dessus. Donc une fois que ça c'est fait, je peux venir retourner mes éléments. J'essaye de venir bien le placer, puis alors je vais pouvoir venir le coller comme ceci. Donc, hop, un petit peu plus haut là. Et comme ceci. Donc pour ça, la première chose, c'est que je vais venir mettre de la colle ici. Et je peux déjà venir un petit peu en glisser ici à l'intérieur aussi. Comme ça, ça tiendra partout. Alors, j'en glisse un petit peu. Je laisse glisser la colle. Je fais pareil de l'autre côté, et puis je viens en mettre ici derrière. Alors je vais aller assez vite parce que là il va falloir que je vienne coller autre chose, et ici
aussi. Donc j'essaie quand même de le décrocher un petit peu. Je l'aligne le plus que je peux. Alors, je m'aide avec le papier qui est ici, que j'ai ici pour qu'il soit bien mis par rapport à la reliure. Hop, je peux appuyer un peu partout. Hop, attention, vu que c'est de la colle liquide, ça bouge. Je vais prendre mon truc pour faire mes pliures. Je fais ma pliure ici. Que je vais pouvoir venir abaisser et faire passer en dessous. Vous voyez, vu que c'est pas encore sec, ça peut encore bouger, il n'y a pas de souci. Hop. Je viens faire pareil de l'autre côté. Je plie. Alors, je vais aller faire tenir mon carton avec ma colle et le petit rebord ici. Donc, tout ceci, ça peut coller sans aucun souci. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je plie et celui-là aussi. Voilà. Alors, ensuite, on va venir prendre les couvertures. Donc, moi, vu que j'ai des petits traits, il faut que je fasse attention que je mette les traits dans le bon sens. Après, quand ça sèche, les morceaux comme ceci s'en vont. Il ne faut pas trop jouer avec parce que sinon, après, ça fait des craquelures. Hop, et hop. On peut faire se réaplatir un petit peu et étaler la colle un peu partout. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je vais m'occuper d'un morceau et puis de l'autre. Donc là, je vais mettre sur le côté. Et je vais venir le glisser comme ceci, hop, à l'intérieur. Alors, le tout est d'insister un petit peu parce qu'on a déjà collé des morceaux. Donc évidemment, ça va être un peu... Enfin, c'est un peu plus compliqué quand vous faites une reliure normale. Donc, le tout est juste d'arriver à bien glisser. Vous vérifiez. Voilà, ça va bien tomber. Hop, je vais pouvoir maintenant venir mettre de la colle. Donc, je glisse ma colle à l'intérieur comme ceci. Je vais en mettre un petit peu ici aussi pour que ça vienne tenir avec cette partie-ci. Je glisse mon papier là où je l'avais glissé déjà tout à l'heure. Alors, hop, je vérifie où est mon carton juste en regardant à l'intérieur. Donc là, vous voyez, si vous soulevez, vous le voyez encore un petit peu. Donc vous le glissez plus ou moins comme ceci. Et puis, on peut venir réinsister sur le reste du papier. Voilà. Ici, vu qu'on ramène un papier, ça va venir se coller sans souci. Alors là, c'est vous qui choisissez. Soit le papier viendra se glisser par-dessus, viendra se mettre au-dessus, soit le papier vient se glisser en dessous. Donc là, c'est un peu vous qui voyez comme bon vous préférez. Moi, si je choisirai après, de toute façon, je sens encore le bouger. Je fais pareil de l'autre côté. J'essaie d'abord de le faire rentrer une première fois pour bien qu'il se mette. Bon, bien évidemment, si j'ai pas bien plié ici. Donc je vais le faire rentrer comme il faut. Je vais d'abord essayer de le faire rentrer et puis je reprendrai après. Alors, une fois que ça c'est fait, moi je prends mon élément de pliure. Alors je sens la pliure. Si je ne la sens pas bien, je vais regarder où je suis. Ou bien je m'aide aussi comme ceci. Et puis je descends tout le long du carton. Je reste bien droit. Donc comme ça, ça va me permettre d'avoir mon pli qui est marqué. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
Et puis je vais venir mettre ces éléments-ci. Donc hop, je glisse à l'intérieur. Celui-ci, pareil. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux vu que j'ai vérifié que c'était bon, je vais mettre de la colle ici. Je remets mon papier. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. J'en colle. Alors si je vois que sur certains endroits ça ne colle pas, comme par exemple ici parce que j'avais pas mis de colle là en dessous, je remets la colle là où il en faut. Et puis alors moi ce que j'aime bien faire c'est laisser sécher quelques heures pour que tout se mette comme il faut. Vraiment avant, donc je réinsiste une première fois comme ça le pli se fait. Je recolle. Je refais une deuxième fois, je réencolle. Je vérifie que de l'autre côté ça n'a pas bougé. C'est bon, ça n'a pas bougé. Je le fais comme ça. Je réinsiste une première fois. Et puis je vais laisser le tout sécher, comme je disais, pendant une ou deux heures, trois heures, parfois la nuit, ça dépend un peu quand je l'ai fait. Mais au moins ça va me permettre ici de prendre un petit peu tous les éléments comme il faut. Alors pendant ce temps-là, soit je vais dormir parce que c'est la nuit, soit je prépare déjà l'intérieur. Donc pour tout faire, pour faire toutes mes feuilles, je prends des papiers comme je vous l'ai montré. Alors je vous montrerai le résultat final avec toute la déco qui est faite. Si ça vous intéresse une fois d'avoir le processus intérieur, je viens vous le montrer aussi. C'est un peu comme je réalise pour l'album photo de l'année 2021, donc celui que je suis en train de réaliser avec je vais arriver. Enfin, vous pouvez le retrouver dans ma chaîne, si vous voulez, je mettrai en i sur le dessus. Mais voilà, c'est un peu du même principe. Je prends mes photos, je regarde un petit peu ce que j'ai besoin. Je ne fais pas... En fait, quand je fais un album, bien souvent, j'ai déjà les photos. Maintenant, il est possible aussi de faire un album comme ça, sans avoir les photos. Et puis alors, vous glissez des feuilles et vous en mettez autant que vous voulez. Ici, moi, j'ai pris des gros anneaux, alors que je ne vais pas avoir forcément besoin de si gros anneaux que ça. La seule chose, c'est qu'il faudra bien faire attention avec la dimension de la page comme ceci. Parce que vous voyez, quand je vais le refermer, donc je ne sais pas, je vais recoller après. Quand je vais le fermer, si vous regardez ici, la dimension qui est entre l'anneau et là, il faut que la page ne dépasse pas. Donc ça va dépendre un petit peu de vos anneaux aussi, de voir un petit peu et de la taille que vous avez pris au niveau de la page. Ici, moi, ici, sur l'autre album, donc sur cet album-ci, j'ai fait des pages qui font maximum 15 de long. Vous voyez, certaines sortent un tout petit peu. Donc voilà, sauf si je vous le mets bien droit, mais ça dépend un peu comment on se met l'album. Mais voilà, il faut faire attention à la dimension qu'il y a là pour ne pas que ça sorte. Quoi. Donc là, vous faites des tests par rapport aux feuilles. Je vous dirai la grandeur ici que je l'ai fait avec cet anneau-ci. Parce que si je prends la pointe de l'anneau, je vais refermer. Hop. Si je prends la pointe de l'anneau et la fin de l'album, j'ai même pas 15 en fait. Mais là j'ai, hop, je dirais j'ai 12. Donc il faudra ici que je prenne des feuilles de maximum 12. Donc vous voyez, en fonction de la grosseur de l'année, ça va changer. Donc voilà, donc je vous montrerai le résultat final juste quand il sera fini. Pour vous, ce sera directement après.
Voici ce que donne l'album au final, donc comme ceci, donc vous voyez que le papier s'est remis comme il faut. Je l'ai un petit peu décoré devant, il y a une seule chose qui va revenir, mais plus tard il faut que je l'efface, c'est les deux petits éléments pour dire que c'est le mois de mars et avril, mais je voulais faire en filmo, donc il faut que, voilà, ce sera une petite breloque qui pendra, donc ça je le ferai plus tard. Est-ce que je veux faire deux petits trous, un petit trou pour pouvoir les laisser pendre, je sais pas encore, j'ai pas encore choisi, je verrai ça plus tard. Donc comme ceci, donc je l'ai décoré avec différents éléments. Donc moi ici je vous avais parlé de la grandeur. J'ai dû faire des minima, des max. Donc je disais, avant que la caméra ne me lâche, que j'ai dû faire maximum 13,5. Donc et en hauteur j'ai fait sur 22. Alors pour à chaque fois avoir les petits trous, tout simplement je mettais le centre et puis je le perforais avec une perforatrice tout à fait normale vu que c'est des anneaux qui viennent, donc la somme tout à fait traditionnelle. Donc ça se donnait bien, donc voilà à quoi il ressemble. J'ai mis toutes les collections que je vous avais dites, j'ai rien utilisé d'autre. Si, mon imprimante pour pouvoir imprimer les petits journaling que j'ai pas mis partout, mais voilà j'en ai mis quelques endroits qui étaient un petit peu intéressants. Donc... voilà un petit peu à quoi il ressemble. Donc parfois j'ai fait des pages comme ceci. J'ai été un petit peu dans toutes les grosseurs différentes. Parce que ça c'est ce que j'aime bien. C'est vraiment partir sur des styles un petit peu différents. Justement ça donne pour moi une attraction au niveau de l'album. Donc voilà comment ça se représente. Donc avec toutes les photos donc des deux mois en question. Donc là, je l'ai mis dans l'autre sens. Ici, dans ce sens-ci. Et comme ceci. Donc voilà, un petit album assez sympa. Peut-être que je remettrai le mois de juin ici. Je vais voir un petit peu. Parce que au final, j'ai quand même encore pas mal de place. Contrairement à l'album de ma grande, j'avais fait avec des anneaux, des petits anneaux. Donc ici c'est vrai qu'il n'y a plus forcément énormément de place. De toute manière j'ai déjà mis, c'était mars, avril, donc je vais pas revenir dessus. Mais celui-ci, je me dis que je rajouterai peut-être juin dedans. Je vais voir un petit peu combien j'ai de photos en juin, mais c'est vrai que je me suis pas gardé forcément une obligation pour un album. Je mets un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Non, j'ai pas pris d'obligation pour cette année. Je me dis juste que oui, il faut que je mette voilà, je mets au minimum un mois dans un album et je garde les mêmes dimensions. Voilà, mais ici si par exemple je reprends d'autres albums que j'ai déjà fait, les dimensions restent plus ou moins les mêmes. Alors celui-là est un peu plus grand, mais sinon je reste dans quelque chose d'assez traditionnel pour les albums. Voilà, c'était aussi un choix pour cette année. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit peu de commentaire, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.